Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Oui, bonjour. C'est pas spaghetti. N'importe quoi. Non, c'est l'oracle de l'amour. C'est l'oracle de l'amour, voilà. On se retrouve avec Valérie Tartera pour vous parler de notre bel oracle et vous présenter une carte, surtout, voilà, qui sera le message vénusien de ce jour. Quel est-il, Valérie? Voilà, si vous tombez sur cette carte-là, qui dit « Demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à tes attentes. » Ah, tadam. Ça, c'est une phrase que mon ami, notre ami en commun, Dani, oui, m'avait dit. J'étais en larmes, gros chagrin d'amour. Et elle me massait. Elle me dit « Sandrine, est-ce que tu penses que tu peux trouver la force en toi de demander ce qu'il y a de plus juste pour lui et pour toi, même si c'est contraire à tes attentes ?» J'étais dévastée, j'ai dit « mais non, c'est pas possible ». Et j'ai puisé, j'ai cherché, et ça t'a aidé. Ça m'a aidé. Et ça t'a aligné. Oui. Parce qu'effectivement, hein, parfois on a des attentes, les attentes ça fait partie du conscient. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste, de meilleur pour nous. Mm-hmm. C'est ce qu'il y a de plus facile, de plus rassurant, c'est ce qui nous vient en premier. Mais voilà, la demande c'est l'intention. Hein, j'ai l'intention de recevoir ce qui est bon pour moi et j'ai confiance en ça. Oui. Voilà. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont inconfortables, qui sont frustrantes, qui engendrent de la tristesse, de la douleur, absolument. Mais lorsqu'on est là-dedans, ben, on peut demander ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à nos attentes. Après, attention, oui. On n'a pas besoin d'être mal. Pour demander ce qu'il y a de plus juste. Pour demander ce qu'il y a de plus juste. Mm-hmm. Hein, tu le disais. On peut toujours, j'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour espérer d'aller encore mieux. Complètement, hein, parce que peut-être vous avez l'oracle entre vos mains, vous tirez cette carte qui vous dit, ben voilà, vous entendez ce message, parce que là, vous êtes, l'algorithme d'Instagram a décidé que vous tirez la carte vidéo du c'est jour, vrai. Voilà. Et c'est, demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à tes attentes. Alors que tout va bien, ben, parce que des fois dans la vie, on est souvent, on a plein d'attentes en fait. Hein. On a toujours des attentes et on peut toujours aller mieux. On peut toujours se réaligner, on peut toujours améliorer dans notre état. Voilà, pas dans la quête hein, de l'absolu Graal, de l'absolu Nirvana oui, non plus. Mais voilà, il y a toujours quelque chose, une petite étincelle qui peut améliorer les choses. En tout cas, moi, c'est une phrase qui finalement m'accompagne beaucoup par rapport à plein de choses. Et elle va très bien avec ce petit « tout est parfait », quoi. Tout est juste, tout est parfait. Voilà, je pense qu'elle, dans les moments de tristesse, elle soutient, elle console, elle reconnecte avec plus grand que soi. C'est ça. Voilà, elle nous permet de prendre cette hauteur nécessaire. Et puis, dans les petites contrariétés de la vie, c'est bon, bah, allez, Sandrine, je me parle à moi-même. Hein, moi, je vais vous agir. Tu demandes ce qu'il y a de plus juste. Je leur dis là-haut, je dis bon, allez, c'est ça. Je demande ce qu'il y a de plus juste, c'est même ça. Si c'est contraire à mes attentes. Et des fois, c'est. Mais ça réaligne nos intentions. On se réaligne à soi-même, à nos intentions. Voilà, c'était le petit message du vendredi. On vous souhaite un délicieux week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, des bisous. Bisous.